Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À plus! Oh là 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 là, on est mal, on est vraiment pas bien là, je comprends pas bordel, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe poussin? Dis-moi, explique-moi. Chérie, 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 écoute bien ce que je vais te dire. Je pense qu'on est mal. On est vraiment, vraiment très mal. Il va falloir qu'on fasse un choix. Qu'on retourne notre veste. Et qu'on commence à faire de la lèche à Microsoft. Parce que là, ça va mal. Mais comment ça poussin? Explique-moi, pourquoi? Mais tu vois bien que Jim, il est en train de foutre la merde. Il fait n'importe quoi. Hein? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut bien réfléchir. Je pense que si on veut montrer notre bonne foi, il va falloir qu'on fasse tout simplement. Ça me chagrine de le dire, mais il va vraiment falloir qu'on fasse le test de Call of Duty Modern Warfare 2 sur Xbox Series X et non sur PlayStation 5 pour montrer notre bonne foi à Microsoft. Il faut que Phil voie qu'on est prêt à aller vers lui, tout simplement. Qu'en penses-tu, ma chérie? Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Tu sais très bien que moi et le verre, ah, ça ne va pas du tout. Non, 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 non. Non, non, je peux pas. PlayStation 5 ou PlayStation 5, c'est tout. Écoute bien, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais que toi et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Sauf qu'à un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, ma chérie. Soit on accepte de nous retourner, hein, et de donner notre boule à Microsoft, soit ce qui va se passer, c'est qu'on va vendre des marrons à porte de Clignancourt. Qu'est-ce que tu décides? Mais tu sais à quel point la couleur verte m'agace. Ouais, je sais, mais c'est à toi de voir. Bon, d'accord, je comprends, il en va de notre avenir, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de problème. Et en plus, il y a l'autre, l'autre enfoiré, là, Stélie 78 de mes deux, là. Il arrête pas de nous rentrer dans le lard, il me saoule, il arrête pas de faire des vidéos. Mais je peux pas répondre parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il y a que nos fatboys, justement, qui sont là pour nous défendre, alors qu'on est indéfendable. Mais bon, je la remercie, ils nous défendent bec et ongles. Mais je peux pas lui répondre. Alors si, j'admets, j'ai essayé de le troller avec des comptes fake pour essayer de l'emmerder. Mais il se trouve en fait que ça ne change rien, il en a rien à foutre en fait, il continue ses conneries. Donc là, si tu veux, il vient de faire une nouvelle vidéo. Je t'invite à t'asseoir à côté de moi, ma chérie. Nous allons le regarder, voir encore ce qu'il va dire. C'est parti, regardons ça. J'espère que cette petite intro comique, bien sûr, vous a plu. Sachez cependant que c'était vraiment que l'intro qui de base était ce second degré-là. À partir de maintenant, là sur cette vidéo, je vais plutôt être sérieux pour donner des faits. Alors, comme vous le savez, Jim Ryan essaye par tous les moyens d'essayer de faire capoter l'achat de Activision Blizzard par Microsoft, parce qu'il sait très bien que sinon PlayStation serait au bord. Soyons honnêtes, hein, au bord du gouffre. Mais le problème, c'est qu'il fait les choses de manière maladroite. Parce qu'à un moment donné, quand on voit que Phil Spencer lui dit, écoute bien, nous allons continuer le deal qu'il y avait de base encore 3 ans. Je pense que Jim Ryan, il aurait mieux fait au final de réfléchir, de se dire, bon, je pense qu'il y a à prendre pour l'instant. Après, on verra par la suite si on ne peut pas renégocier les contrats et aller plus loin. Au lieu de commencer justement à aller se plaindre auprès de la CMA, commence à faire sa pleureuse, parce que le problème c'est que c'est en train de se retourner contre lui, et ce qu'il fait est absolument regrettable et exécrable en fait, tout simplement. Donc je pense qu'aujourd'hui, PlayStation fait mauvaise presse, PlayStation justement commence à avoir la grogne des joueurs, parce qu'en fait, à faire sa pleureuse comme ça, il démontre tout simplement un aveu de faiblesse. Parce que n'oublions pas une chose, venant de Jim Ryan, c'est assez comique quand même, parce que quand on sait tous les coups qu'il fait, on se dit à un moment donné, c'est un juste retour de bâton. T'as passé ton temps, enfin, pas que toi, toute l'entreprise de base a passé son temps à mettre des carottes, à acheter des exclusivités temporaires, définitives, à essayer de tout faire pour que l'écosystème PlayStation, pour que PlayStation soit toujours en train d'être devant les autres, justement en mettant des enfilades, hein, soyons honnêtes. Et aujourd'hui, quand tu fais ça, tu fais ta pleureuse. Si tu étais une personne irréprochable, je serais le premier à dire, bon, j'avoue, le pauvre, il a toujours été réglo.
là, c'est pas honnête. Mais venant de Phil Spencer qui fait ce genre de choses, enfin Phil Spencer de Microsoft hein, qui fait ça à PlayStation et surtout envers toi, enfin envers Jim Ryan, envers la direction de PlayStation, bah, je trouve qu'en fait c'est que justice quand on sait ce qui s'est passé avec la vidéo que j'ai sortie justement sur la PS2 déjà, qui au final a quand même enterré la Dreamcast, hein, soyons honnêtes, hein, à cause de tout cela. Je me dis bon, à un moment donné, soyons honnêtes. Et là en fait, je prouve tout cela parce que Microsoft a tout simplement, elle fait chier cette mouche, désolé les gars, Microsoft a tout simplement dévoilé ce que l'on savait tous, hein, mais là c'est une certitude parce que avant d'être acheté par Microsoft, Bethesda était un studio indépendant, d'accord. Et lors du rachat justement de PlayStation, de Xbox, de Microsoft, de Bethesda, il se trouve qu'ils nous ont mis à notre disposition un document officiel qui était de Sony. Alors, ils ont quand même été courtois, ont retiré deux articles, parce qu'apparemment il y avait trois articles bien distincts qui allaient contre le Game Pass, qui prouve que PlayStation finançait et, on va dire, donnait des sous de table pour éviter que certains jeux arrivent sur le Game Pass pour ne pas que les gens passent chez Microsoft. Donc là, on a la preuve déjà d'un des articles. Les deux autres ont été floutés par Microsoft, ils n'ont pas voulu nous les faire voir. Je pense que c'est aussi digne de leur part, ils n'ont pas non plus envie de faire une catastrophe. Mais je pense que, honnêtement, si Jim Ryan n'avait pas fait sa pleureuse à l'heure actuelle en disant non, 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 je ne pense pas que Microsoft aurait fait circuler ce document. Je pense qu'ils l'ont plus fait en se disant écoute, arrête de nous faire chier, on te tient par les burnes. Donc voilà, si on veut, on peut dévoiler des choses sur ce que fait PlayStation, sur vos méthodes. Donc on a juste diffusé ça, maintenant ça s'arrête là. Je pense que c'est aussi l'image de Microsoft, ils veulent pas que ça fasse de vagues, je pense pas qu'ils veulent de problèmes, ils veulent juste que leur achat soit acté, point barre, chacun vit sa vie. Mais si Jim Ryan, justement, est en train de se tirer une balle dans le pied, ne cesse systématiquement de faire sa pleureuse, je pense que ça va aller plus loin et je pense que Microsoft ont des dossiers pour vraiment, vraiment faire mal à Sony. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, il serait peut-être que tant que Jim Ryan, en fait, cesse justement de faire sa pleureuse et se concentre uniquement sur le gaming, se concentre sur ses propres studios. Parce que là, quand il fait ça, il prouve qu'il n'a pas confiance envers ses studios, en fait. Bah, de pleurer pour Call of Duty comme ça, c'est que tu n'as pas confiance envers tes first parties. C'est l'image qu'il donne, hein, c'est l'image qu'il renvoie. Hein. C'est comme ça que je le vois, moi, en fait, tout simplement. Donc, à un moment donné, arrête! Arrête de faire Calimero, t'as tes problèmes à mettre des enfilades partout. Stop. Parce qu'à un moment donné, moi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout perdre, Sony. Là, peut-être que Phil Spencer, justement, je pense qu'il a un bon fond, veut effectivement continuer à distribuer chez PlayStation Call of Duty pour ne pas que la majorité des joueurs soient handicapés, pour que tout le monde puisse jouer à Call of. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que n'oublions pas, au-dessus, il y a les investisseurs chez Microsoft, au-dessus de Phil Spencer, bien sûr. Ça se trouve, ils vont se dire, on a investi 70 milliards. C'est bon, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Hein. Donc maintenant, tu fous la licence exclusive Xbox ou écosystème Microsoft, si tu veux, également PC. Et dans ces cas-là, s'ils veulent jouer, soit ils achètent un PC, soit ils souscrivent au Game Pass, parce que maintenant, Game Pass, tu pourras l'avoir même sur les téléviseurs, d'accord ? Soit ils achètent une Xbox Series X ou une Series S. Mais à la base, s'ils veulent y jouer, ils viennent vers notre écosystème parce qu'on a investi de l'argent. Donc voilà, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc je pense que Jim Ryan ferait mieux de la fermer. Parce qu'à faire ça, ça se trouve Microsoft va dire vous nous faites chier. En fait, on vous lâche rien. On vous lâche rien. Surtout que, soyons tout à fait honnêtes, hein, Jim Ryan se plaint d'une chose que lui-même aurait faite. Je pense que si c'est PlayStation qui aurait eu les moyens de racheter Activision Blizzard, il ne se serait pas gêné pour dire Call of Duty exclusive. Il n'aurait même pas cherché à comprendre si Microsoft l'aurait ou pas. Hein. Non, parce que c'est dans leur ADN de crevard. Donc là, le fait que Phil Spencer fasse un pas vers Jim Ryan en disant écoute, on va quand même te laisser, on va voir, on va se débrouiller entre nous. Bah, je trouve que ça prouve le bon fond de Phil Spencer et ça prouve également qu'il y a moyen de négocier. Sauf que là, Jim Ryan, il est en train de tout faire capoter en faisant sa chialeuse. C'est ça la réalité. Donc, ce qui va se passer, c'est que Microsoft va dire stop, on arrête tout, on garde tout, démerde-toi avec ta console, démerde-toi avec tes licences internes et on verra si vous allez vous en sortir. Et là, je pense que non, tout simplement. Voilà tout, donnez-moi votre avis les amis, c'est juste un point de vue, mais ce document, justement, je remets là, qui a été distribué par Microsoft, je pense qu'il est plus là pour mettre la pression sur Sony en disant on a des dossiers, là on met que ça, arrête-toi, sinon on va aller plus loin, tout simplement. Donnez-moi votre avis, likez, partagez, abonnez-vous, ciao.